me réveille un peu tard ce matin, je me suis couché très tard, j'ai passé une nuit très compliquée, j'ai des problèmes en ce moment. Et ce matin, je me réveille, et on m'identifie sur des choses, on m'envoie des choses. Dès que je suis déjà un peu tendu, là, ça me retend encore. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui me chargent gratuitement comme ça dans leurs vidéos. Je sais pas si mon nom fait parler, je sais pas si, comme ils savent que je peux répondre, ça les excite, tu vois. Mais pour qu'un mec qui est de base, je pensais être mon pote, me charge autant dans ses vidéos, c'est pas la première fois que Bastos il me charge. Je sais pas, dès qu'il y a une critique dans ses vidéos, il a mon nom à sa bouche. J'arrive pas à comprendre. Après être un fils de machin qui se prend pour un autre machin, non, je suis antipathique. C'est fou quand même, c'est incroyable. Là, il me dit que je suis antipathique. Quand sa meuf dit antipathique, il lui dit comme Simon, comme ça, elle lui dit ouais, comme une conne. Alors que clairement, être antipathique, c'est dire manquer d'empathie pour les gens, c'est-à-dire penser qu'à sa gueule et pas penser aux autres. C'est totalement ce que je ne suis pas en plus. Parce que je sais pas qui manque plus d'empathie quand j'avais des problèmes de couple dans le cross et qui lui disait faut qu'il se barre et tout. C'est toi qui n'as pas d'empathie, frérot. Parce que tu penses qu'à ta gueule en disant ah, il fait trop d'histoires et machin. Donc c'est tu penses qu'à ta gueule à toi. Donc sous ces airs de grand gentil qui fait passer pour le mec qui a pas de problème avec personne, good vibes, alors que derrière c'est le pire, c'est la pire des petites p*** faux culs de ce milieu. Au bout d'un moment, tu vois, je me tais, ça me fait chier parce que de base, c'était quand même mon pote et on n'a pas eu plus de clash que ça. J'ai compris qu'il a pris le parti d'autres personnes que je vais taire le nom parce que voilà, mais vous avez compris. Donc voilà, t'as dû prendre le parti d'autres personnes, du coup, maintenant tout est bon pour te taper dessus. Voilà, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes m'en veulent autant, sont aussi dures avec moi alors que clairement, je pense pas être le pire de tous, sûrement pas. Je suis toujours honnête, je dis toujours ce que je pense. Et je suis un des plus francs, et ça, que ça te déplaise ou non, je n'ai rien à foutre. Donc voilà, je comprends pas, surtout des gens, encore une fois, je le répète, que je pensais être mes amis. C'est ça le pire, en fait. C'est que tu n'arrives pas à comprendre parce qu'on n'a pas de clash. Donc bref, je sais pas ce que tu veux, je sais pas si tu as un complexe envers moi, je sais pas si tu veux ma copine, je sais que tu aimais beaucoup Adi, tu vois. Donc je pense que Adi, c'est un peu de travailler que je sorte avec elle, tu vois, parce que je sais que tu l'as bien essayé de la travailler hein, quand vous avez fait la vidéo YouTube ensemble, hein, dans le château, là, tu pouvais pas la ramener à l'hôtel, machin, le coup de la panne. On la connaît celle-là, hein. On la connaît bien. Mais c'est bien parce que c'est fou, tu sais, c'est les gens qui sont. Donc ça m'a coupé dans ma phrase, mais je disais voilà que je comprends pas. Et c'est les gens comme ça qui font paraître les plus gentils qui derrière sont les premiers à te casser du sucre dans le dos. Mais bon après tout, c'est pas grave. Je pense que ce mec-là a réellement un problème contre moi. Comme d'autres aussi qui d'un coup ont eu un problème contre moi. Je sais pas, je pense qu'on ne peut pas être jeune dans ce milieu et fonctionner un petit peu. Parce que derrière, l'ego monte trop à la tête et on doit vite garder, tu vois, le truc. Je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Parce que je pense pas être un méchant, je pense pas être le pire de tous. Et je pense surtout être le plus droit. Maintenant, tout le monde fait les erreurs, mais c'est pas bien. Là, il me dit que je suis antipathique. Quand sa meuf dit antipathique, il lui dit comme Simon, comme ça, elle lui dit ouais, comme une conne.